Bonsoir à tous. L'actualité de ce mardi 28 mars, un piéton a été renversé par une voiture alors qu'il traversait l'autoroute à Richter dans la soirée d'hier. Il s'agirait de Jean-Daniel Belljambe, âgé de 43 ans. Cet habitant de Rochebois, connu des services de police, a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Pour rappel, le nombre de morts sur nos routes passe à 32 en ce début d'année. Du cannabis valant 90 000 roupies a été retrouvé chez un policier affecté au poste de police d'Abercrombie aujourd'hui. Ce dernier, affecté à la Divisional Supporting Unit, a été interpellé par les limiers de là-dessous. Lors d'une perquisition chez lui, une trentaine de plantes de cannabis ont été retrouvées. Il sera traduit devant la justice demain. Le salaire de la directrice du Cardiac Center a enflammé l'hémicycle aujourd'hui. Le ministre de la Santé, Anwar Usnu, a réclamé qu'une enquête soit menée afin de faire la lumière sur le salaire de Vijaya Sampat. Pour rappel, cette dernière touche 323 200 roupies alors que son prédécesseur touchait 117 000 roupies. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.mu.